Jésus-Christ, ici présent. Mesdames, Messieurs, les membres du cabinet de Madame la Première Dame, il convient d'ouvrir cette rencontre fraternelle par une prière écuménique. Seigneur, tout vient de toi et tout retourne à toi. Si tu ne bâtis la maison en vain, travail et maçons, et c'est pour cela qu'au début de cette rencontre, nous nous tournons vers toi pour remettre cette rencontre sous ta protection. Nous sommes en marche depuis le mercredi décembre, nous chrétiens, en marche vers Pâques. Et ta fille, notre sœur, la première dame, nous a invités. Elle chemine avec nous, elle nous a invités pour partager ce temps. Ce temps de carême, temps de solidarité, temps de partage. Elle a compris cela. Elle nous a invités à venir vivre ce moment. Et nous remettons cela en tes mains. Bénis-la, bénis son époux, notre président. Que vos paroles se taisent pour que parlent vos actes. Mme Dominique Ouattara, première dame, présidente de la Fondation Children of Africa. Bon, ceux qui comprennent l'anglais, on voit les enfants. Tiens, dans son engagement aux côtés des orphelins que vous soutenez toujours, et pas seulement aujourd'hui, des orphelins, des victimes des mutilations génitales féminines, à travers sa fondation, Guigui, la grande espérance. Vous nous montrez, vous et votre chérie, notre président, que vous n'êtes pas président seulement des chrétiens ou des musulmans. Vous êtes, il est président, et vous, la première dame, de tous les Ivoiriens, qu'ils soient chrétiens, musulmans, vous êtes au-dessus de tout. Et nous comprenons cela. Et cela nous plaît. Et nous prions pour vous, que vous restiez dans cette ligne-là, le président, la première dame, tout le monde, musulman, catholique, christianiste, enfin chrétien, mais de tous. Chers frères et sœurs, je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui, à la faveur des célébrations pascales qui approchent, pour vivre avec vous cette période spéciale consacrée à la prière et au partage. C'est un moment de prière, de jeûne, de pénitence et de partage. À cet effet, nous accentuons les actes de charité et de solidarité afin de rester en parfaite symbiose avec la parole de Dieu. Il me tenait donc à cœur d'apporter mon soutien et celui de la Fondation Children of Africa aux familles chrétiennes et en particulier à nos frères et sœurs défavorisés afin de leur permettre de passer la fête de Pâques dans la joie et l'allégresse. Il s'agit là d'un acte de solidarité, ce qui imprime tout son sens à cette cérémonie qui se veut un moment de partage et de fraternité. Les dons que nous faisons ce jour sont composés de riz, pâtes alimentaires, sucre, sardines, lait, couscous, petits pois, huile et tomates concentrées, comme énuméré par Madame Nadine Sangaré. Et les quantités sont très importantes, comme vous pourrez le voir tout à l'heure. Ils ont une valeur totale de 130 millions de francs CFA et seront réceptionnés par les paroisses catholiques, les églises protestantes, les églises évangéliques, les églises révélées d'Afrique et les congrégations et associations religieuses.